Donc, désolé les amis, on a essayé de faire des lives mais ça coupe. Donc on est de retour avec un live définitif. Définitif celui-là. Alors bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc gilet jaune constituant et rond-point RN20 Montlhéry-Lompont. On a réfléchi aujourd'hui à nos premiers ateliers constituants. On a beaucoup débattu autour du premier article de la Constitution actuelle, je dis bien actuelle, de 1958, donc de la 5e République. Et on a voulu se prêter à l'exercice intellectuel pour le reformuler en fonction de nos aspirations politiques et métapolitiques. Donc, tu vas nous lire le premier article, l'article 1er de la Constitution, et vous allez voir, les amis, la différence avec ce qu'on souhaite, nous. Alors, il s'agit de l'article 1 de la Constitution de 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Voilà, ça c'était l'article 1er de la Constitution actuelle, celle de 1958. Donc, après réflexion, débat, échange très intéressant, ma foi, qui a fait monter un petit peu le niveau pour nous tous, on a réfléchi et on a essayé de trouver un consensus avec nos aspirations. Donc, voici l'article 1er revisité à la sauce constituante. Le peuple, article 1er, le peuple français étant le seul souverain sur le territoire national, la Constitution actuelle, les lois et tous les articles de loi qui en découlent ont la primauté sur toutes les autres lois, traités, accords et pactes. Dans ce cadre, la France est une démocratie première, une et indivisible. Je répète la dernière phrase. Dans ce cadre, la France est une démocratie première, une et indivisible. Voilà les amis. Voilà. Notre premier article de Constitution. Et donc prêtez-vous à l'exercice, les amis. De ça découlerait tout un nouveau système qu'on a inventé. C'est ça. Et encore une fois, je dis pour ceux qui nous regardent, c'est la finalité. Enfin, l'important, c'est pas la finalité de ce qu'on va écrire, c'est le chemin pour y arriver. Exactement. Encore une fois, c'est la réflexion qu'on y met. Nous, notre article premier n'est pas parfait, mais à nous tous ensemble, eh ben, on peut arriver à quelque chose de énorme par rapport à ce qu'on a. De toute façon, c'est pas difficile de voir l'anticonstitution pour écrire une vraie constitution qui instaure la séparation des pouvoirs et notre souveraineté individuelle et collective. Voilà. Exactement. Donc les amis, tout ça pour vous encourager à faire la même chose. Dans vos collectivités territoriales, dans vos communes, même sur vos lieux de travail, enfin j'en sais rien, à tout moment, quand vous avez du temps, vous avez envie de faire de la réflexion intellectuelle intelligente et consensuelle et surtout productive, eh ben, vous allez vous aussi vous exercer à réécrire la Constitution selon vos aspirations. Selon vos aspirations. C'est exactement. Et comme le chemin est important, l'idée, c'est qu'on nous demande souvent, si on destitue Macron, qui on va mettre. Mais ce n'est pas qui on va mettre, c'est quel système on veut pour derrière. Quel système. Et c'est ça qu'il faut réfléchir dès maintenant. Voilà. Exactement. Bah alors, j'en profite évidemment pour faire le rappel, les amis. Faites en sorte de mettre la pression sur vos députés et sénateurs locaux pour lancer la procédure de destitution de l'article 68. N'oubliez jamais, les amis, ça fait partie du combat. Très important. Donc force et honneur, montez des équipes. Ah ouh, ah ouh, ah ouh.